Bonjour, vous êtes bien sur Télé Villeneuve. Nous sommes à la mission locale pour vous présenter la garantie jeune. Je suis accompagné de 4 jeunes en garantie jeune qui vont nous expliquer qu'est-ce que la garantie jeune. Bonjour. Bonjour. Alors, pour toi, la garantie jeune, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de pouvoir trouver un emploi. Et puis voilà quoi, faire des stages, découvrir des métiers. Donc ce que j'attends de la garantie jeune, c'est d'avoir un emploi, une formation ou même passer mon permis. Alors la garantie jeune m'a apporté un certain soutien professionnel, soutien même social, parce que ça m'a appris un peu à m'extérioriser, on va dire. Ensuite, surtout sur le côté professionnel, ce qui permet justement un accompagnement de base, donc sans qualification, jusqu'à l'emploi, en espérant avoir un diplôme ou ressortir avec des formations ou de serait-ce des acquis en plus. Comment vous êtes rentré sur le dispositif ? Alors, c'est ma meilleure amie qui m'en a parlé dans un premier temps. Et du coup, je me suis renseignée et puis voilà, moi je me suis inscrite parce que j'étais en réorientation. Pardon. Et du coup, bah voilà, de fil en aiguille, je suis là. J'ai entendu parler de la garantie jeune par Pôle emploi et la mission locale. Bonjour Monsieur Hugues. Bonjour Mehdi. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Alors, vous êtes directeur de la mission locale, vous organisez la garantie jeune. Qu'est-ce que la garantie jeune ? Donc la garantie jeune, c'est un nouveau dispositif qui a été expérimenté depuis 2012 sur le territoire, qui a été généralisé au vu des très bons résultats sur l'ensemble du territoire français au 1er janvier 2017. Et c'est un dispositif qui propose aux jeunes éligibles pendant 12 mois un accompagnement renforcé vers l'emploi et qui introduit plusieurs grandes dynamiques. La première, c'est celle de l'accompagnement collectif, parce que chaque jeune dans la garantie jeune démarre pendant une période de 4 à 6 semaines en collectif au sein de la mission locale, où ils vont travailler sur les droits et devoirs, le monde économique, les ateliers CV, la recherche d'emploi et de stage. Et ensuite, une fois ces 4 semaines, enfin cette période de collectif finie, ils vont devoir rechercher des stages, participer à des ateliers et être pendant 12 mois dans une dynamique emploi. La deuxième grande dynamique de ce dispositif, c'est ce que, pour reprendre l'acronyme anglais, appellent les Anglais le « work first », c'est-à-dire l'insertion dans le travail, par le travail, en proposant aux jeunes leur première expérience professionnelle, soit via des stages, des visites d'entreprise, des découvertes de métiers, tous ces ateliers-là qui vont leur permettre vraiment d'être insérés dans l'emploi en passant par l'emploi. D'accord. Et enfin, quand est-ce que la garantie jeune a-t-elle vu le jour ? Sur le territoire en 2012, sur La Rochelle, en septembre 2015, la mission locale de La Rochelle est entrée dans le dispositif en septembre 2015. Et pour 2017, c'est 300 jeunes du territoire qui pourront bénéficier de cet accompagnement-là. Bonjour Madame Rebaud. Bonjour. Vous êtes conseillère à la mission locale. Oui. Vous allez aujourd'hui nous expliquer comment rentrer sur le dispositif garantie jeune. Donc pour rentrer sur le dispositif garantie jeune, le jeune ne doit pas être en emploi ni en formation. Il doit être déscolarisé. Donc nous, on va vérifier ces 3 points. Et ensuite, on va monter avec lui un dossier. Sa priorité première, c'est qu'il faut qu'il soit motivé et qu'il ait envie de découvrir le monde de l'entreprise et trouver, bien évidemment, un emploi. Bonjour Valentin. Bonjour. Merci déjà de nous accorder cette interview. Alors, vous êtes un ancien sur le dispositif de la garantie jeune. Effectivement. Sorti de la garantie jeune. Alors pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté à l'issue ? Déjà, ça m'a permis de découvrir un peu le monde du travail, voir comment ça se passe. Et de clarifier mon projet professionnel. Donc là, en fait, je suis dans le domaine de l'hôtellerie actuellement. Donc j'ai commencé par faire des stages, notamment à l'hôtel Mercure. Ça s'est super bien passé. Donc j'ai appris une nouvelle compétence. Je commence à me former. Bonjour Suzy. Bonjour. Vous êtes conseillère garantie jeune sur la mission locale. Oui. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous expliquer ce dispositif. Alors, comment se déroule le dispositif garantie jeune ? Alors, le jeune donc, est accompagné pendant une année avec un binôme de conseillers en garantie jeune. On lui transmet donc une boîte à outils par rapport à sa recherche d'emploi. Donc, nous mettons en place des ateliers obligatoires pour de la technique à la recherche d'emploi, mais aussi des ateliers qui sont gages pour son autonomie et ses responsabilités à travers des ateliers logement, des ateliers visite d'entreprise, des ateliers donc, aussi sur le bien-être, la confiance en soi et l'autonomie. D'accord, voilà. Très bien, merci Suzy. Merci. C'était TV Villeneuve en direct de Mireuil City La Rochelle.